Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut et des neuf fruits du Saint-Esprit soient votre partage vraiment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente comme votre humble frère, comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre prémisse que le Seigneur a fait grâce d'appeler dans le ministère apostolique, donc juste pour sauver les âmes et prêcher toute la vérité, toute la sainte doctrine. Donc vraiment, l'Éternel me fait encore grâce, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute gloire, de toute grâce, le Dieu vraiment qui donne la vie éternelle, m'a vraiment fait grâce ce matin de venir faire vraiment cette petite exhortation et en même temps un encouragement du jour, l'encouragement du jour, surtout à tous ceux qui luttent vraiment pour sortir du péché, tous ceux qui se battent de toutes leurs forces pour sortir du péché, et même à tous ceux qui refusent de laisser le péché, à tous ceux qui refusent de souffrir pour Christ, afin qu'il soit glorifié, afin qu'il puisse mener une vie vraiment de sainteté en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Donc, sans toutefois tarder, je vais lire rapidement déjà la parole de Dieu dans la parole de Dieu dans 1 Pierre, juste les passages bibliques. Donc, les passages bibliques qui sont juste, je vais d'abord lire la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 2. Verset 1 à 2. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Bien-aimés, la parole de Dieu nous montre que nous vivons dans la chair, mais nous ne devons pas marcher selon la chair. Alléluia. Nous vivons dans la chair, mais nous ne devons pas marcher selon la chair. Or, marcher selon la chair, c'est de pratiquer le péché. Marcher selon la chair. Oui, c'est de pratiquer le péché. C'est d'aimer le péché. Aimer la convoitise. Oui. C'est ça, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque tu haïs le péché, tu ne peux pas pratiquer le péché. Bien-aimé, la parole de Dieu est très claire. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. Donc, on doit se revêtir la pensée de Christ. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, parce que peut-être qu'il y a un bien-aimé, peut-être qu'il y a certains bien-aimés qui vient de recevoir le Saint-Esprit. Peut-être que tu viens de naître de nouveau et tu ne connais pas pourquoi ces souffrances. Pourquoi toutes ces souffrances? En réalité, ces souffrances, c'est quoi? Nous avons vu que Christ, lorsqu'il a été baptisé, il a été baptisé du Saint-Esprit. On dit que le Saint-Esprit l'a conduit où? Au désert. Le Saint-Esprit a conduit Christ au désert, bien-aimé. La parole de Dieu est très claire. Le Saint-Esprit a conduit Christ au désert. Or, c'était quoi? Quand le Seigneur conduit Christ au désert, c'était pour que sa chair doit aller souffrir. Sa chair doit aller souffrir. Et nous avons vu, lorsque... voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que... On doit aussi... La parole de Dieu dit que... La parole de Dieu nous dit que... On doit aussi marcher comme lui-même il a marché dans les piques des gens. La parole de Dieu nous dit qu'on doit aussi marcher comme Christ lui-même a marché, bien-aimé. Et si maintenant donc, la part de Dieu est très claire, nous devons souffrir dans la chair. Mais il est impossible, la part de Dieu est très claire, il est impossible que nous disons que, il est impossible de faire la volonté de Dieu et de ne pas souffrir dans ta chair. Mais loin de là, il est impossible de faire la volonté du Seigneur. Il est impossible de mener la vie de la sainte doctrine. Il est impossible de mener la vie de sanctification, bien-aimé. Il est impossible que tu vas entrer dans le royaume de Dieu sans souffrir dans la chair. Je te le dis en vérité. Toute personne qui refuse d'abandonner le péché, qui refuse de laisser pour dire que non, c'est dur. Pour laisser, c'est dur. Ce n'est pas dur.
Ce n'est pas dur. Il suffit juste que tu t'attaches au Seigneur. Il suffit que tu prennes la ferme résolution. Mais toute personne, je vous assure, toute personne qui refuse de souffrir dans la chair pour marcher selon la volonté de Dieu, bien-aimé, ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Toute personne qui refuse de souffrir dans la chair en continuant à mener le péché, il ne veut pas laisser le péché, il ne veut pas abandonner le péché, il ne veut pas laisser l'impudicité, la fornication, le concubinage. Hein? Le concubinage, je mets toujours l'accent sur l'impudicité. Parce que c'est d'abord ça. L'impudicité, c'est d'abord ça d'abord. Le péché même qui est d'abord, le péché, il n'y a pas de petit péché, mais c'est d'abord un péché qui est d'abord tellement... L'impudicité est tellement répugnante devant le Seigneur. L'impudicité empeste. Lorsque nous pratiquons l'impudicité, bien-aimé, nous pratiquons l'impudicité, lorsque nous avons des rapports sexuels, bien-aimé, sans hors mariage, avant le mariage, ou bien une vie de concubinage, ou viens m'aider à rester. Avant le mariage, bien-aimé, c'est répugnant devant le Seigneur. Bien-aimé, c'est répugnant tellement que on a que c'est tellement on empeste devant l'Éternel, bien-aimé. Nous sommes tellement là, on appelle ça la saleté devant l'Éternel, parce que là, lorsque Dieu voit la personne, mais en réalité, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu meurs dans cet état, mais Dieu veut que tu te répandes, bien-aimé. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans cet état. Dieu est tellement amour. Il est miséricordieux, bien-aimé. Mais le Seigneur veut te témoigner de son amour aujourd'hui. Le Seigneur veut te témoigner son amour ce jour. Il te témoigne son amour. Il vient te montrer son amour. Il vient te montrer sa miséricorde à travers cette exhortation afin que, bien-aimé, sors du péché, sors des œuvres ténèbres, sors de l'impudicité, sors, bien-aimé, de l'impudicité, bien-aimé. Sors du mensonge, sors tous les péchés, bien-aimé. Sors de la abomination, bien-aimé. Sors de ces choses. Il faut sortir. Oui. Vous voulez? Les gens veulent entrer au ciel. Bien-aimé, il est impossible. Je vous dis ça, c'est la vérité, c'est la pure vérité. Il est impossible que tu entres au ciel si tu ne souffres pas dans la chair. Il est impossible que tu entres au ciel si tu ne souffres pas dans la chair. Celui qui refuse de souffrir dans la chair dans ce siècle présent-ci, bien-aimé, c'est un enfer que tu allais souffrir éternité, éternité. Oui. C'est l'enfer que tu allais souffrir. Mais celui qui refuse, celui qui accepte de souffrir dans la chair dans ce siècle présent et de marcher selon la volonté de Dieu, permet celui-là à la vie éternelle, permet celui-là entre au royaume des cieux. Celui-là entre au royaume des cieux, permet. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quand on va dire, c'est vrai que lorsque tu décides d'arrêter l'impudicité, ta chair va souffrir, mais ta chair, lorsque tu décides d'arrêter l'impudicité, tu vois que ta chair va souffrir, mais ton esprit ne va pas. Ta chair va souffrir, mais ton âme et ton esprit vraiment seront à l'aise. Mais ton esprit sera à l'aise. La part de Dieu est très claire. Hein? La part de Dieu est très claire. Afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui te reste encore à vivre sur la terre. La part de Dieu est très claire. Nous devons comprendre comme ça, la part de Dieu est très claire. Oui. Oui, quand on va te dire que arrête, on va dire arrête l'impudicité. Tu vas dire que non, c'est dur. Tu veux toujours satisfaire la chair. Arrête l'impudicité, c'est dur. Tu es toujours satisfait la chair. Arrêtez le péché. Vous voyez que c'est compliqué. Arrêtez une vie de débauche, une vie de dépravation, une vie qui ne nomme pas Dieu. Vous voyez que c'est compliqué. Vous voyez que c'est compliqué, bien-aimé. Mais ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, bien-aimé. Ce n'est pas. On dit que si nous faisons, celui qui fait la volonté de Dieu directement, automatiquement, lorsque tu décides d'aligner avec la volonté de Dieu, tu décides d'être disposé à la volonté du Seigneur. Tu décides, bien-aimé, de t'attacher à Christ, de t'attacher à la parole. Sache que la chair va souffrir automatiquement. La chair va souffrir. Automatiquement, la chair va souffrir. Automatiquement, on doit s'abstenir. Il y aura de l'abstinence. On doit s'abstenir du péché. Oui. Sache qu'automatiquement, il y aura certaines règles. Sache qu'automatiquement, il y aura certaines restrictions. Donc, tu ne pourras plus satisfaire la chair. Satisfaire la chair n'importe comment. N'importe comment, bien-aimé. N'importe comment. On dit aux gens que,
On dit aux gens que gênez, vous ne voulez pas gêner. On dit que gênez, attachez-vous aux choses. Les choses qui vont vous faire que vous ayez l'affection de l'esprit et que vous n'ayez plus l'affection de la chair. Mais lorsqu'on va dire aux gens que gênez, vous n'arrivez plus à gêner. Tu n'as même pas la volonté de gêner. Tu ne demandes même pas la grâce au Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'avoir une vie de jeûne, une vie de prière, une vie de sainteté. Une vie de sainteté, bien-aimée. Une vie de sainteté. Personne n'a cette volonté. Personne ne veut. Vous voulez toujours vous sentir bien dans la chair. Toujours vous sentir. La parole de Dieu est très claire. Celui qui a souffert dans la chair, il en a fini avec le péché. Parce que lorsque tu arrêtes l'impudicité, quand tu décides d'arrêter l'impudicité, d'arrêter la fornication, que tu n'es pas dans le concubinage, tu attends que le cas va, quand tu vas te marier, oui, tu vas voir que tu vas souffrir dans la chair. Tu souffres dans la chair, mais là, tu souffres dans la chair, mais là maintenant, tu ne peux plus pécher. Tu souffres dans la chair, mais là maintenant, tu ne pratiques plus le péché de concubinage. Tu ne pratiques plus le péché de fornication. Tu ne pratiques plus le péché d'impudicité. Tu ne pratiques plus le péché de prostitution. Hein? Parce que quoi? Parce que tu as décidé que j'ai encore la vie de la sainte doctrine. Et dans cette vie de la sainte doctrine, la vie de la sainte doctrine nous impose à travers les prescriptions et les lois du Seigneur, ou bien les ordonnances éternelles que Dieu, les ordonnances éternelles, qu'on ne peut pas faire que nous sommes en Christ. Et maintenant, nous sommes dans une vie, nous sommes dans une relation hors mariage. On consomme les relations sexuelles hors mariage, impossible. Voilà pourquoi tu voudrais constater que dans la sainte doctrine, quand tu décides que j'attends que lorsque Dieu va me donner la femme qui va épouser ou l'homme qui va épouser, tu vas voir que si Dieu a fixé 2 ans au croissant au carcan, tu vas voir que pendant ces 3 ans, pendant ces carcans, tu vas souffrir dans la chair. Ta chair ne sera pas satisfaite. Imagine, tu t'abstiens pendant 5 ans. 4 ans, 5 ans. Tu ne fais pas réponse sur toi. Tant que Dieu va te donner le mariage, c'est ça que signifie que la chair, ta chair va souffrir. La chair qui va souffrir. Oui. Ça ne va pas souffrir. Et là, comme ça va souffrir, tu as déjà fini avec le péché d'impudicité. Tu as déjà fini avec le péché de concubinage. Tu as déjà fini avec le péché de fornication. C'est la même chose avec tous les autres péchés, bébé. Tu as déjà fini. Et là, comme tu as fini, là maintenant, ça veut dire que là, c'est parce que tu as fait la volonté de Dieu. Hein? La parole de Dieu est très claire. Parce que tu as en train de faire la volonté de Dieu, bien-aimé. Donc, vraiment, bien-aimé, vraiment. Dieu vous appelle vraiment. Le Seigneur vous appelle. Ayez la volonté, bien-aimé. Prenez la ferme résolution. Bien-aimé, Jésus-Christ vous aime tellement. Tout est possible devant le Seigneur Jésus-Christ. On dit que tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui a la volonté. Tout est possible pour celui qui s'attache au Seigneur. Tout est possible, bien-aimé. Même si on dit que, bien-aimé, c'est quelle impudicité qui te dérange. C'est quel démon d'impudicité, quel démon de masturbation qui te dérange. Même si c'est la masturbation, que ce soit la prostitution, que ce soit n'importe quel péché qui te dérange, bien-aimé. Tout est possible. Tout est possible. Accepte, bien-aimé. Accepte déjà. Accepte que la chair souffre, bien-aimé. Accepte que la chair souffre afin de faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas faire la volonté de Jésus-Christ sans toutefois que tu vas souffrir dans la chair. Il y aura des restrictions. Il y a l'abstinence. Tu dois t'abstiner certaines choses. Il y a des choses que tu vas laisser. Bien-aimé, ça c'était le message du jour du Seigneur. Soyez bénis. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Il vous attend. Il a dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, vous donnez du repos. Donc, venez déposer tous vos péchés, déposer tout. Mais sachez que quand vous déposez, ça ne veut dire pas que vous n'allez pas souffrir dans la chair, tu vas souffrir dans la chair. Afin que tu puisses finir avec ces péchés-là. Et là, tu pourras entrer au ciel. Au ciel. Mais si tu ne veux pas souffrir dans la chair, tu vas encore être satisfait. Bien-aimé, ta souffrance sera éternelle en enfer. Sois encore béni au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur soit avec vous.